Bonsoir. La correction me dérange comme ça. Bonsoir. En espérant que notre bonne de connexion est résolue. Donc, j'ai un petit message que je donnerai à certains d'entre vous. Je ne sais pas les petits bobos que j'ai aujourd'hui là, c'est grave. Est-ce que vous me recevez? J'ai l'impression que la connexion dérange beaucoup aussi. Ok, je vois que vous me recevez. Voilà, je vous reçois maintenant. Je demande la présence de nos ancêtres pour pouvoir parler. on va toucher un peu sur les familles Ticone. Et beaucoup d'entre vous, vous n'avez pas encore compris, vous n'avez pas encore accepté. Vous n'avez pas encore accepté que vous ne pouvez pas avancer avec votre famille. Vous ne pouvez pas. Je vous avais donné les caractéristiques des choisis. Et je vous ai dit que votre plus grand, l'une de vos caractéristiques, c'est que vous allez être détesté par votre famille pour rien. Tu leur fais du bien, tu les conseilles, tu les aides, tu donnes l'argent, tu les, parfois même, tu leur donnes le boulot quelque part. Parfois,
Quand ils n'ont pas le boulot, ils viennent te voir. Tu donnes le boulot. Après, ils vont aller se retourner contre toi. Je suis là pour vous dire que leur temps est déjà sorti, donc leur temps est expiré dans votre vie. Maintenant, vous devez trouver le courage de les laisser partir. Beaucoup d'entre vous, par exemple, hier quand je faisais le direct, je vous ai demandé de déclarer que vous êtes le superman de votre famille. Votre famille sait que vous êtes le superman depuis longtemps. Hein? Votre père, votre cousin, votre oncle, ils savent. Ils savent que tu es censé être riche depuis longtemps. Ils savent que tu es censé jumboum depuis longtemps. Ils savent que depuis que tu as ta CNI, tu es censé être riche. Maintenant, il y en a parmi eux qui vous ont ouvertement montré leur jalousie. Ils viennent devant toi et te disent, mais pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu te comportes comme ça? Ils n'ont pas caché. Hora! Mes chers choisis, je vous en prie, écrivez pour vous là-bas. Que moi aussi. Parfois, c'est ta mère. À ton âge, peut-être, quand ta mère avait 35 ans, elle n'avait pas sa maison. Elle n'avait pas la voiture. Elle n'avait pas. Toi, tu es là, tu as déjà 30 ans. À 30 ans, tu es déjà positionné, tu as déjà tout. Et ta popularité est en train d'augmenter. Les frères de ta mère voient, ça ne leur plaît pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils vont poisonner l'esprit de ta mère. Parce qu'ils savent que quand ils parlent, tu t'en fous. Mais quand ta mère parle, talon d'Achille. Ah, c'est ma mère. C'est, tout le monde pouvait me dire ça, ça ne me choque pas. Mais comme c'est ma mère qui me dit ça, ça me fait mal jusqu'à... Tu n'as pas encore fini d'avoir mal. Tu vas avoir mal, 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 mal. Tu vas conjuguer et multiplier ça plusieurs fois. Ils vont te faire la guerre. Elle a acheté un nouveau terrain. Elle a acheté une nouvelle voiture. Voilà, elle voyage. Parfois, ils vont aller dire, ils vont calculer vos ennemis. Appelez vos ennemis pour comploter contre vous. Un jour, ton ennemi va t'appeler, il va te dire, tu sais, je sais qu'on n'est plus amis, mais fais attention à ta famille. Tu dis que, hey, que si mon ennemi me dit ça, lui qui me déteste, gars, il faut vraiment qu'il fasse attention. Parce que quand ta famille veut te faire du mal, ils te veulent mort ou morte. Quand ta famille veut te toucher, ils veulent que t'envoies sous la terre. Et les gens qui vont peut-être venir, j'ai des esprits qui ont souvent confessé. C'est nous qui avons tué ta mère. Elle croyait qu'elle était qui? Elle vient dans notre famille, elle va se montrer qu'elle est plus, elle est la plus... Non, 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 on a fini avec elle. Leur soeur, leur soeur. Leur soeur. Est-ce que vous pouvez partager ma vidéo, s'il vous plaît? Partagez mon direct, je vous en prie. Parce que je crois qu'il y a les Decepticons qui sont en train de vouloir gâter mon direct.
Partagez mon direct, s'il vous plaît. C'est encore que cette méchanceté, cela. Tu les vois, je fais mon direct, tu peux signaler mon direct. Ah, méchanceté organisée. Mais vous savez que ça ne peut pas m'atteindre, non? Vous savez ça, non? Vous savez, non? Vous savez, non? Le mauvais cœur. Ceux qui sont avec moi sont plus forts et plus nombreux que vous. Vous avez compris? Et je vais que parler. Pardon, mettez les cœurs sur mon direct. C'est que mon foulard, c'est qui vous énerve aujourd'hui. Décès, vous n'avez pas compris. Je parle de vous, les Decepticons. Je parle de vous. Partagez mon direct, pardon. Donc, tu t'es déjà demandé que qu'est-ce que je leur ai fait. Tu prends ta main, tu donnes, ils ne sont pas contents. Tu as 1500, 2000 euros de salaire. Chaque mois, tu leur envoies au moins 600 à 700 euros. Tu es dans les Western Union tout le temps. Oh, on va construire. Je construis d'abord la maison de ma soeur avant de construire pour moi. Oh, je vais d'abord aider ma tante. Oh, je vais d'abord aider telle personne. Tu es dedans. Ce sont eux qui se retournent contre toi. Après le direct hier, il y a des gens de votre famille que vous allez les bloquer. Il y a l'argent que tu as mis de côté, que je vais aller à Western Union avec ça lundi. Ouais, j'ai raté d'envoyer l'argent pour Pâques. Tu vas, lundi, tu vas aller remettre l'argent dans ton compte bancaire. Parce que les gens sont méchants. Et je vous dis encore, les gens de votre famille, quand ils vous détestent, ils veulent votre mort. Le Decepticon de dehors va peut-être dire, bon, je vais la ruiner, je vais mentir sur elle pour salir sa réputation. Ta famille, ils vont seulement vouloir que tu meurs. Elle croit que quoi? On a grandi ensemble. On a grandi ensemble. Maintenant, comme tu... Ton étoile a brillé. Tu t'es marié avec un homme qui est très riche, super riche. Pourquoi tu as te senti mal? L'homme est venu te prendre comme ça au Cameroun, il t'a amené en Europe. Pomme, papier, maison, villa, tout. Ok. C'est quoi? C'est toi qui as fait. Et si vous regardez bien, même quand vous étiez petit, les gens avaient toujours le mauvais cœur. Oh! Toujours le mauvais cœur. C'est déjà que quand la grand-mère disait que ne partez pas là-bas, dès qu'elle sort, ils font. Ils partent. Tu dis ne partez pas, oh. Tu restes à la maison. Eux, ils partent, ils font. Quand ils entrent, la grand-mère tape. Après, ça sert ensemble. Ils insultent même la grand-mère. Ils mentent. Non, c'est pas nous. On n'est pas sortis. La grand-mère te demande, tu refuses de mentir. Tu dis, maman, ils sont sortis. Elle demande à tout le monde, ils mentent. Elle te demande, toi. Tu n'es pas allé trahir. Je vais vous raconter votre histoire aujourd'hui. Tu n'es pas allé trahir. La grand-mère est venue te demander. Après, on dit que tu crois que tu es qui? Et comme par hasard, la grand-mère t'aimait, toi. Elle t'aimait. Mais eux-là, quand ils te laissent avec eux, mof, on t'insulte. On prend ta chose, on mange. À l'école, on te dit à nous, elle-là ne marche même pas avec elle. Tu vois, un gars te veut te draguer comme ça. Il part de dire, pourquoi tu la dragues? Elle-là, elle pisse en colis. Tout ça pour gâter ton image. Vous avez trop pardonné à votre famille. Écoutez-moi bien. Vous leur avez trop pardonné. Vous avez trop perdu l'argent. J'ai reçu une dame l'autre jour. Elle me dit que si elle veut compter ce que j'ai perdu, 150 millions de francs CFA sur ma famille. Les coups bas, les mensonges, les coups bas.
jour comme on parle, il se rassemble avec maman. Il parle mal de toi. Tu restes parfois pour leur faire plaisir, tu donnes. Tu donnes. À la rentrée, tu achètes les sables à tous les enfants. Tu es marraine de deux enfants parmi les deux enfants par chacune de tes soeurs. Tu es marraine de deux de leurs enfants. Tu as même adopté. Tu as fait l'enfant est venu en Europe te trouver. Tu lui as donné les papiers. L'enfant de ta soeur. Demain, elle te méprise. Elle se marie, maman ne te dit pas qu'elle te se marie. Oh Seigneur, qu'est-ce que vous n'avez pas fait pour eux? Mon amour à moi. Qu'est-ce qu'ils ne t'ont pas fait? Bénis, charmer ton mari. Gâter ton mariage. Bousiller ton foyer. La fidélité que vous donnez à votre famille, là, vous allez regretter ça. Le sang, c'est le sang, hein? Le sang, c'est le sang. Si tu dis que tu es choisi, tu vas enlever le cœur sur ta famille biologique. Tu vas enlever les poumons. Parce que ce sont les gens qui sont capables d'aller aux extrêmes pour que tu n'avances pas. Donne, donne, donne le jour où tu vas dire que je ne peux pas donner, tu vas voir. Elle croyait même que quoi? Elle avait même quoi? Elle avait fait quoi pour moi? Le truc, c'est que quand ils vont aller parler de toi, ils ne vont pas dire ce que tu as fait pour eux. Ils sont amnésiques. L'amnésie sélective. Je vais aller dans l'autre pièce, continuer ceci. Je vois que ça va un peu plus calme. Vas-y, un ici là. Bon, j'espère que j'aurai une meilleure connexion ici dehors. Warren Landy, tu dois écrire pour le bracelet. Tu as compris, non? Écris-toi. Bon, je me suis dépassée parce qu'il fallait que je trouve une bonne connexion. Donc, si vous m'écoutez bien, je voudrais que vous me fassiez signe.
Bonsoir la reine Wafo. Bon, je vois que vous me suivez, c'est bon. Vous allez comprendre que il y a un niveau où vous ne pouvez pas opérer, ou bien il y a un certain niveau auquel vous ne pouvez pas accéder tant que vous ne vous débarrassez pas du chantage émotionnel de la famille. Et je vous en parle parce que c'est quelque chose qui vous affaiblit. Vous n'êtes pas strict, vous n'êtes pas rigoureux. Vous êtes encore soft, votre corps est encore mou. Et vous avez besoin de leur approbation. Vous avez besoin qu'ils vous apprécient. Pour que vous vous sentiez, voilà, si ma famille m'apprécie, ça veut dire que non. Eiffel Noah, tu peux écrire sur le numéro 693. On va voir si on pourra te consulter. C'est pas tout le monde que je consulte. Il faut que spirituellement vous soyez prêt. Je fais ce dire parce que je veux que vous compreniez qu'ils vont essayer. Ils ont même déjà essayé. Parce que si vous connaissez tout ce que Dieu a déjà bloqué, tout ce que Dieu a stoppé, ce que vous allez partir à l'église, faites seulement l'action de grâce. Certains sont sortis pour vous. Ils sont allés chez le marabout, ils sont assis. Ils ont dit que bloqué là. La fille de ma petite soeur ne peut pas être la première dans la famille à se marier. Jamais. Te voilà depuis quoi? Depuis 10, 15 ans, tu as les problèmes de mariage chaque fois. Ils sont sortis pour vous. Non, le fils de ma petite soeur ne peut pas aller en Europe le premier. On te bloque au pays. Tu as fait le passeport 3 fois. Tu as essayé le visa. MC Toucam, tu dis que je t'ai refusé la consultation, ma chérie. Va te bloquer. T'amuses toi et moi. J'ai bien vu ton message. Je ne te connais même pas. Pourquoi que j'ai été personnel avec vous? Vous devez arriver à un niveau de votre vie où vous commencez à analyser votre vie. Parce que votre talon d'Achille, c'est votre famille. Tu trouves une bonne femme, tu veux te mettre avec elle. On vient, on la décourage, on lui fait les problèmes. On la critique dans tes oreilles. Toi-même encore. Quand vous entendez qu'une famille est partie porter la femme pour donner à l'homme, c'est pour ça qu'ils font pour venir gâter le mariage, non? Quand tu viens avec l'enfant, hein? Tu as eu ça. Alors que c'est ta femme que tu as choisie, c'était vraiment elle qui allait t'aider pour avancer. Tant que tu ne t'assois pas, tu te rends compte. Tu vas toujours. Tu vas rencontrer un homme, tu vas encore porter pour aller leur dire. Vous n'avez pas remarqué que souvent quand vous êtes en relation, quand votre famille connaît, ça se gâte. Hein? Vous n'avez pas encore remarqué. Certains d'entre eux, même quand il vient le jour de votre mariage là, ils vont parler encore. Parler encore. Parler encore. Ce sont eux qui partent gâter derrière. Et le pire avec eux, c'est que même leurs propres enfants, ils ont tellement gâté les gens que même leurs propres enfants, ils gâtent pour eux. Même leurs propres enfants, ils gâtent. Tellement ils sont habitués à gâter les gens. Voilà, une belle soeur qui passe son temps à te bloquer. Sa petite sorcellerie.
N'en parlons même pas des belles soeurs, des familles. Oh yo! C'est grave quand tu te rends compte de ta part de famille, tu te maries et que ton mari ou ta femme ne se rend pas compte de sa part. Chaque jour, tu vas essayer d'ouvrir ses yeux. Regarde. Regarde ce que ton frère fait. Regarde ce que ta soeur fait. Ah, c'est ma famille. Les familles gâtent les mariages. Quand on fait comme ça, après tu te retrouves seul. Ils reviennent encore. Alors qu'ils savent qu'ils sont partis gâtés. MC Toucan, ne t'excuse pas, tu as compris. Fais le message au 693 50 22 66 pour la consultation. Je suis là, donc je veux d'abord qu'une chose, c'est que tu te rendes compte que ta famille n'est pas en train de t'aider depuis. Deuxièmement, c'est même toi qui dépenses plutôt sur la famille. C'est ton argent qui a été sorti depuis là. Ce sont eux qui sont en train de m'apparaître dehors, te gâter. Ce sont eux qui sont en train de te gâter dehors. Et ils sont jaloux de toi. Tu es la seule qui est en Europe. Tu es le seul qui est en Bain. Tu crois que ça leur plaît? Tu crois que ça. Parce que Dieu n'est pas injuste. Le mauvais cœur qu'ils ont eu sur toi là, c'est pour ça que tu fais le papier depuis, ça ne marche pas. Je vais vous dire les choses. Dès qu'ils sont au courant que tu es un fiancé, ça finit. Louise, ne vous inquiétez pas. Bonjour le roi Ibrahim. Le tout si là, je vous annonce. Tout ce que les gens la faisaient avant, ça a échoué dans votre vie. Le tout si, ils ont menti. Les gens qui savaient que tu es enceinte, après ça piant, ça disparaît là. C'est fini. Tu vas accoucher. Tu vas te marier. Tu vas devenir riche. Tu vas voyager, tu vas l'embêter. Là, c'est la parole de quelqu'un là-bas. Parfois, c'est un oncle qui te dit, ouais, travaille chez moi pendant 4 ans. Je vais faire ton visa pour que tu partes au Canada. Ça fait 9 ans que tu es chez lui, tu travailles. Ça fait 9 ans. C'est un oncle picone. Il s'est assis sur ta destinée. Voilà, sa famille vient lui donner l'autre nom, Awa. Vous allez observer les cycles répétitifs de votre vie. Les choses que quand tu dis à ta famille, ça se gâte. Tu achètes le terrain, tu leur dis. Après quelques semaines, on découvre que c'est le terrain litigieux. Tu commences le chantier. Tu leur dis, oh, j'ai commencé le chantier, vous savez, j'ai seulement fait ma petite fondation. Après quelques semaines, on te renvoie de ton boulot. Fermez vos bouches. Pour les fiancés, n'en parlons même plus. Le nombre de fiancés que tu as eu. Le nombre de fiancés que tu as eu. Dès que tu dis à ta famille, pam, ça fait par là que ça se gâte. Certains vont venir gâter vos mariages. Le jour de ton mariage, ils vont venir gâter. Sachez qu'ils ne t'aimaient pas quand tu avais 9 ans. Ils ne t'aimaient pas quand tu avais 15 ans. Ce n'est pas à 35 ans qu'ils vont t'aimer. Donc arrête d'essayer de faire les choses pour leur faire plaisir. Arrête de faire les choses pour leur faire plaisir.
Tu vas donner ton bras, tu vas donner ton torse, tu vas donner tout ton corps. Ils ne seront pas tout contents. Bon, ça, tu vas faire, on va t'enterrer. Tu vas mourir, non? Tu vas mourir, non? Continue. Tu meurs, ils t'enterrent. Le jour-là, ils boivent. Oh, j'aimais ma nièce, là. Hein. Vraiment, j'aimais ma nièce. Hein. Il finit avec sa boisson. Le jour où j'entends leur vrai cœur, elle croyait qu'elle partait où? Comme elle était partie en Dengla, elle a voulu construire la maison de la grand-mère pour montrer que quoi? Pour montrer qu'elle a plus que qui? Hein? Elle veut montrer qu'elle a plus que qui ici? On lui a montré. Je vous connais maintenant. Hein. Famille Tikona, je vous connais. Quand tu travailles alors avec eux, hein. Quand tu les prends, tu les mets dans ton entreprise alors, hein. Ou bien quand tu pars, oh yo, tu as cherché les problèmes plus. Problèmes plus, tu as mis sur toi. Tu vas les trouver un jour, c'est moi le boss. Tu vas les trouver en train de parler, ils sont assis dans ton bureau sur ta chaise. Ils sont sur ta chaise, dans ton bureau. C'est moi qui commande ici. C'est moi. Quand tu ne dormais pas pendant des jours, tu étais sur le sol de ton bureau, tu dois à 5h, tu te réveilles à 7h30. Pour construire ton empire, il n'était pas là. Ah non, moi je pense que tu devrais arrêter de travailler avec telle personne. Tu devrais renvoyer telle personne. Tu devrais faire comme ça. Tu parles en tant que qui? En tant que qui? Ça compte alors quand tu lui envoies les choses de vendre. Ah, ça c'est pour moi. Envoie ta voiture à quelqu'un de ta famille de vendre. Tu vas voir. Bête, tu lui donnes cadeau. Bon, voilà, tonton, je te fais cadeau de cette RAV4. Envoie le taxi, alors tu mets le taxi dehors qui gère. Tu vas lire l'heure. Tu vas lire l'heure. Après, tu vas seulement fuir que, pardon, donnez même à quelqu'un, il donne seulement 500 000. C'est vrai que j'ai dépensé 4 millions sur ça. Donnez-moi même seulement 500 000, pardon. Je ne veux plus, pardon. Tu dis, mets à vendre sur la voiture. Tu déposes là-bas pour vendre. La personne va laisser à vendre sur la voiture pendant 4 ans. Maman, ma chérie, on a seulement gâté ta part précis. Précis, on a seulement gâté ta part là. Comme tu dis que le fiancé est venu, on a gâté mamie. De spoil-am. Et tu es bête aussi quelque part parce que tu ne travailles. Tu crois qu'on va te laisser te marier? Une belle fille comme toi. Tu es bête. Tu es simpleton. Hein, ma chérie? Tu es simpleton. Oh là là, bienvenue. Je vous apprends la sagesse. Vous apprenez. Vous vous transformez, vous devenez des loups. Vous devenez des loups. Rusés. Et en même temps, vous êtes des agneaux. Tant que quand arrive, tu demandes, tu veux qu'elle fasse de moi. C'est le loup, c'est l'agneau que tu veux. Which one? I give it to you. Voilà Ramsami. J'ai dit que vous avez fait ça sous toutes les formes, de tous les côtés, dans tous les coins. Partout. Relation, argent, de quoi encore? Même l'amitié.
gâter tous vos amis, mal parler de vous partout. Longa Longa avait dit que celui qui me tue ne reste pas mourir. Que celui qui me tue devient seulement immortel, ne meurt plus. Toi là, comme tu m'as tué là, hein, ne meurt plus un jour. Vous devez... Bonjour le roi Franchin. Vous devez devenir sage. Tu ne donnes plus ton argent n'importe comment. Même pour te voir, c'est dur. Même pour te voir, mettre les yeux sur toi, c'est pas facile. Parce qu'ils sont très hypocrites. Ils sont hypocrites. Venir rire devant toi. Et quand tu les vois, même, il y a un faux sourire qui font. Parce que tu connais ce que tu as dit de moi dans mon dos. Tu connais. Ah, Jocelyne, tu es là. Quand tu vois comme ça, l'esprit te dit une fois, Decepticon, écoutez votre instinct. Écoutez votre instinct. Ton cœur te dit, arrête d'envoyer l'argent à l'oncle là. Arrête. Arrête. Ah non, tu sais, c'est le petit frère, le grand frère de ma mère, non. Tu sais, sa femme souffre. Le jour, on vient te donner le A1 de ton A1 qu'il a donné. J'ai eu une affaire comme ça, là, une fois, avec une personne. La personne me dit, elle a découvert, elle avait un oncle qu'elle respectait beaucoup. Et elle avait laissé sa fille chez son oncle. Mais on dirait que chaque fois qu'elle venait, sa fille n'était pas contente. La fille était un peu malheureuse. Elle demande à l'enfant que c'est quoi. L'enfant ne parle pas. Et elle, quand elle appelait, on mettait l'enfant sur haut-parleur. Que tout ce que tu dis à ton enfant, on va entendre. Donc elle n'a même pas l'opportunité de prendre son enfant à côté pour que l'enfant dise. Parce qu'on savait que l'enfant, c'était la vache à lait. Comme ton enfant est chez nous, tu vas payer tu vas acheter la vie de tous nos enfants. Voilà la rentrée, tu vas payer la pension de tous nos enfants. Tu as un enfant quelque part, tu vas payer la pension de 5 enfants. Paye encore ta part. Un jour, comme ça, elle est arrivée au Cameroun, bam! Elle arrive là-bas, les parents ne sont pas à la maison. Elle dit non aux parents, je vais amener les enfants boire un peu au restaurant. Ils arrivent donc, elle arrive à parler tête à tête avec son enfant. L'enfant dit, maman, tu sais, quand tu viens, il rit avec toi. Quand tu viens, il rit avec toi. Quand tu pars, il parle mal de toi. Comment elle a eu mal d'abord? Tu n'as pas écouté ton instinct, pourquoi, Louise? Elle dit que les questions, ça l'a eu mal. Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour mon oncle-ci? Écoutez, vous ne pouvez pas les satisfaire. Oubliez. Oubliez. Ils veulent votre position. Ils veulent votre argent. Ils veulent votre passeport. S'ils pouvaient être en Europe comme vous, il serait content. Et leur mauvais cœur fait que même quand tu veux faire leur papier, ça ne donne pas. Dieu, c'est là. Dieu est tellement juste. Seigneur, Chichapo. Dieu est juste. Tu fais ça avec ton bon cœur. Tu dépenses ton argent, tu prends tes $1000, tu mets sur ça.
La personne part à l'ambassade. Dans son cœur, il est comme ça. Attends, j'arrive là-bas, tu vas me sentir. Si j'arrive là-bas, tu vas me sentir. Il arrive pour le visa, on dit refusé, denied. 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 Ça fait 5 ans que la personne demande le visa, on n'a pas donné. Dieu vient de sauver ton foyer, ma chérie. Dieu est en train de sauver ton mariage. Tu ne comprends pas Dieu. Hein? Ah. Tu as pris son enfant chez toi. Venu au Cameroun, adopter l'enfant, fait ses papiers, monter avec l'enfant. Le jour où tu entends ce que l'enfant l'a dit de toi à sa mère qui est ta soeur, tu es dégoûté que... Ah! Seigneur! Pourquoi n'accouche pas sa part d'enfant? Hein? Pourquoi? Maman. Certes, Dieu ne m'a pas encore donné l'enfant. Mais j'ai fait ça pour aider ta fille. La famille, hein? La famille. Ah! Si tu ne sers pas le cœur sur la famille, tu vas attraper la veste un jour. Louise, tu es encore simpleton. Hein? Nathalie Tiako, vous allez devenir sage. On va te voir, tu as 25 ans. Tu es sage jusqu'à... Tu connais les déceptiques qu'on a 25 ans. Tu connais les tanticones. Tu connais tout ça. Tu connais faire ton lavage au sel. Tu connais... Mince. On wanda. Tu as seulement 25 ans et tu es même orpheline. Mais tu es sage jusqu'à... On passe le marabout, on ne te voit pas. Parce que tu as mis tes bracelets. Tes bracelets de protection là. On te cherche dans le radar, on ne te trouve pas. De toute ta famille, tu es déjà en Europe. Tu es ingénieur. Tu es sage. Tu construis ta maison, personne ne passe sur le chantier. Tu ne leur montres même pas là où c'est. Tu prends un autre chef chantier qui s'occupe de tes choses. Noël, Jana, Jonah, on n'apprend pas, hein, on n'apprend pas à se détacher. Quand le serpent te pique, est-ce que tu dis que j'apprends encore, tu vois, le serpent et moi, on fait encore l'amour, on dort encore ensemble, tu vois, il m'a seulement mordu une fois, tu vois, non. Donc, moi, il ne peut pas, tu vois, un peu, non, voilà, on apprend encore à s'aimer, mais bon, tu vois, progressivement, non. Hein? Hein? Aïe, 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 quand elle parle souvent, moi-même, ça m'étonne ce que j'ai dit. Voilà, Mina, Richie, ils t'ont seulement raté. Ils t'ont raté. Tu es passé à deux doigts de la tombe. Oui. Quand ils te guettent, ils ne veulent pas que tu viennes rester savé au Cameroun, ou bien que tu sois un peu, tu peux au village rester. Ils veulent seulement que t'enterrer. Ils veulent t'enterrer. Ils vont venir pleurer à ton deuil. C'est ma soeur préférée. Ma soeur. J'avais des grands projets pour elle. Attends, meurs un peu. Meurs un peu, tu vois combien ont été des enfants. Meurs un peu seulement. Tu vas voir comment tes enfants vont tourner le film de Cendrillon. Mais à la fin, elle n'a pas de prince.
Si tu veux trois bracelets, commande les bracelets sur le numéro là. Meurs un peu. Tu vas revenir en fantôme, tu vas voir tes enfants comme ça, tu vas dire que yeah, ce qu'on va dire à ta fille, ta mère a fait quoi pour nous? Ta mère a fait quoi pour nous? Ta mère était qui? Tu vas finir comme ta mère. Ta mère était une prostituée. Ta mère faisait la prostitution en France. On va dire les choses à ton enfant. Tu vas rester comme ça. Tu vas dire que, hey, comme je ne suis plus là pour payer l'argent, là, pour envoyer l'argent. Les familles t'y connaissent. Te détester pour rien. Tu tombes sur ton homme, il t'aime. Il veut se marier avec toi. Il t'aime lui. Il t'aime, il veut se marier avec toi. Oui. C'est tout. Si tu as un nouveau gars, il faut venir me dire. Hein, c'est ta tante Ticone là. Dès que tu as un homme dans ta vie, il faut me dire. Hein, tu as compris? Comme ta mère est déjà morte et que tu ne connais pas comment travailler sur toi. Elle t'envoie même le remède, tu prends seulement, tu lèches, tu prends, tu mets chez toi, tu connais que c'est quoi. Hmm? Tu connais les intentions de la femme là sur toi. Dès que tu as un copain, tu lui dis, la relation est terminée. Dès que tu dis que voilà mon copain. Commencez à, en anglais on dit connect the dots. Commencez à connecter un peu les indices. Oui. Bon, je suis là pour vous annoncer ceci. Malgré le fait qu'ils vous détestent et que vous êtes tombé sous leur filet plusieurs fois, ça fait quelque temps déjà que vous m'écoutez. Ne serait-ce que le fait que vous écoutez le direct ici. Je vous le dis, ils ne peuvent plus vous toucher. Écoutez-moi bien. C'est qu'ils vous ont volé depuis là. Les visas qu'ils ont empêché que vous n'ayez depuis là. Vous voyez seulement les 6 prochains mois. La faveur qui va vous poursuivre. On va t'appeler à minuit, dire que ouais, donne-moi ton numéro de compte et te mets l'argent. Regarde, c'est comment? Je mets sur quel compte? On va vous poursuivre pour vous remettre l'argent. On va vous poursuivre pour vous donner de l'argent. Vous allez commencer vos choses, ça va marcher jusqu'à la fin. Vous êtes Superman de votre famille. Ils vous menacent quand vous ne savez pas qui vous êtes. Nombre chapitre 23, verset 23. Aucune incantation ne peut marcher contre Jacob et Jocelyne. Qu'un sortilège ne peut marcher contre vous. Croyez-le. C'est la fin, hein, c'est la fin. C'est fini. Je veux qu'on vous menace depuis, on vous menace. On t'amène à gauche, on t'amène à droite. Ils viennent gâter tes choses, ils gâtent ta fête, ils gâtent ton mariage. Ils gâtent ceci, ils te vilipendent là-bas. C'est fini. Huh. Même d'ailleurs, votre cœur là ne sera même plus penché vers eux. Ah, c'est quand même ma tante là. C'est quand même ma... C'est fini, ça finit ce soir. Ça finit.
Dès que tu dis que telle personne là, c'est fini. Le lendemain, la personne t'appelle. Allô? Oui. Oui. Alors que la veille, tu étais là. Hé, hey, tata. Tata. Hé, hey, tata. Dis-moi, alors, tu veux quoi, tata? Tu veux quoi? Ah, 250 000. Hein? Ok. Non, tata, j'envoie ça dans 5 minutes, tata. Tata. Oui, bonjour. Bonjour, tata. Oui. D'accord. Oui. Non, non, c'est pas compris dans mon budget de ce mois. Oui, j'ai des projets que je dois réaliser ce mois. D'accord. Dans 2 mois, on va voir si c'est encore possible. Oui. Bye. Je vais vous vacciner. Vous allez devenir sage. Je vais vous injecter la sagesse. Bon, le service sera à Makepe demain. Ceux qui connaissent le centre, c'est derrière Paja Center, au lycée de Makepa. Il y a une menuiserie derrière. Donc, ma photo est sur le portail dehors. Vous ne pouvez pas zapper. Donc, vous passez une bonne nuit. Soyez bénis.